Bonjour à tous les amis légumistes. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 17 mars 2018 et je vais vous montrer ce que j'ai fait là ce samedi. Voilà, accompagné de mon chien. Voilà. Donc là j'ai installé sur deux tréteaux une planche. Et puis là on a les oignons de Roscoff, donc rosé de Bretagne. Ah oui, avant de commencer cette vidéo là, je voudrais faire une petite pub. C'est un petit nouveau qui s'est installé là, qui a créé une chaîne, c'est le jardin de Bretagne, c'est ça. Donc voilà. Donc il débute hein, dans le jardinage. Donc voilà, allez voir sa chaîne. Voilà. Donc là j'ai repiqué les oignons. Donc ça c'est rouge pâle d'oignon, un truc comme ça. Voilà, il m'en reste quelques-uns encore. Donc là j'ai une soixantaine d'oignons. Hein. Voilà, Mickey, Loulou. Loulou, il renifle partout. Voilà. Ici nous avons les oignons de Roscoff. Hein, rosé de Bretagne. Ça c'est de la salade Apia. Voilà, on a acheté quelques-unes pour voir. Donc en même temps je profite hein, pour faire un petit suivi des semis. Oups. Et donc là, ça s'est rafraîchi. Hein, donc il prévoit de la neige cette nuit ou demain, je sais plus quand, lundi. Un truc comme ça. Dans les prochains jours. Du coup, hein, petit voile de pétissette là. Nous avons ici les radis. Voilà. Donc la vidéo de jardinier au naturel m'a donné envie de semer des radis. Donc j'en ai semé, ça lève bien. Voilà, ici c'est de la salade Joker. Voilà, achetée sur Cocopelli. Ça lève bien, ma foi. Ça c'est les propres graines. Salade de... C'est les graines que j'ai récoltées l'année dernière. Ça lève bien, pareil. Dans l'étagère qui est isolée, nous avons de la salade. Là, si, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oups, je vais sortir carrément. Ça, c'est des graines que j'ai récupérées l'année dernière aussi. Voilà, donc c'est un peu petit. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça lève. Ça lève, ça lève. Je suis très content. Hein. Comme quoi, ça fonctionne bien. Récupération de graines d'année en année. Là, il fait 5 degrés. Ça caille un peu. Voilà. Bon, voilà les oignons. La petite consoude. La petite consoude, elle se fait bouffer. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y en a plein à proximité, là. Quelques kilomètres. S'il faut, hein, j'irai en reprendre. C'est pas ça qui manque. Là aussi, la petite consoude, tiens. Et celle-ci, elle s'est multipliée. Hein. Là, c'est... L'année dernière, j'ai mis qu'un seul plant. Là, je me retrouve avec... Ah, ça caille, hein. Avec un... Voilà, il y en a déjà deux. Allez, trois plants. Et viens, Mickey. Trois plants. Ici, c'est la grive qui fait des conneries. Non, je rigole. Faut bien qu'elle se nourrisse, ça. Voilà. Et donc, là, j'ai mis... Les pommes de terre sont en place, hein. Pommes de terre... Amandine. Voilà. Donc là, nous avons plein de pommes de terre. J'ai mis des caissettes
bah, du bordel quoi pour maintenir les feuilles parce que ça a bien soufflé ces temps-ci et puis bah toutes les feuilles vous voyez sont parties un peu n'importe où mais bon c'est pas très grave s'il faut hein, j'irai en reprendre hein. Ah, c'est parti chez le voisin aussi mais bon c'est pas grave. Là, voilà. Le pêcher qui est en fleurs. Donc ça c'est magnifique mais je sais pas ce qu'il va prendre un coup ou pas avec le gel. J'espère pas en tout cas. Voilà donc ici j'ai commencé à planter des oignons. Donc les oignons que vous avez vus en barquette là achetés sur, dans le commerce. Bah, je les ai plantés. J'en ai planté combien, une petite quinzaine là, même pas. Sur 1m60. Et je vais faire un petit carré rectangle comme ça d'oignons. Avec des salades. Parce que apparemment, bah, jardinier naturel a dit que l'odeur de l'oignon fait que bah ça éloigne les limaces. Bon bah je vais essayer. Hein. On verra bien. Voilà. J'essaye de prendre le croc. Donc là, il y aura un petit carré ou un rectangle, je sais pas, hein, d'oignon. Avec un peu de salade. Donc, voilà, là on a mis de la pelouse, on a commencé à tondre. Et j'ai mis la pelouse par-dessus les feuilles. Pour éviter que les feuilles partent avec le vent. Là, nous avons de la facélie. Comme quoi j'ai oublié de faucher celle-ci, mais c'est pas grave, je la laisse. Là qu'on soude. Et puis le noisetier avec tous ses chatons. C'est magnifique quand même. J'espère avoir quelques noisettes. Et ce noisetier là, pour les petits nouveaux qui sont sur la chaîne là, un grand remerciement, tiens aussi. Et eh ben il vient de derrière l'apprenti, je sais pas, le bordel là-bas. Voilà. Et il était tout petit. Et comme quoi, j'ai juste taillé les 4 premières branches, les 3 premières branches. Et puis bah il a fait un magnifique tronc. Voilà. Et tous ces chatons là. J'espère avoir des noisettes. Ça c'est les graines. Hein. Et si je cherche bien dans l'arbre, je dois apercevoir des petites fleurs roses, rouges à moitié. Et ces petites fleurs-là, et ben ce sont des futures noisettes. Si bien sûr, bah il y a des graines hein, qui vont. Enfin, vous connaissez le principe. Si elles sont fécondées, bien sûr. Et Loulou, il vient dans mes pattes. C'est un peu encombrant, Loulou. Voilà, il renifle à chaque fois. Bon, il est jeune. Hein. Le framboisier en bourgeon. Là, on passe de 15 degrés à 5 degrés. Comme quoi, le temps est très très bizarre. C'est ça. Ça monte, ça descend. Et ben, les arbres, je pense qu'ils vont prendre un coup. Mais bon, tant pis. Hein. Là, j'ai deux plantes qu'on soude aussi qui se plaisent. Voilà, je vais laisser ça. Viens, Mickey. Viens. Donc voilà. Là, il a fait à peu près beau hein, cette semaine. Bon, on n'a pas eu des grandes températures non plus. Hein. Hier il est grêlé, on a eu de l'orage hier. Donc tous les récupérateurs d'eau ici sont pleins. Vous voyez les feuilles là, il y en a plein partout. Bon, c'est pas comme ça. Hein. Ah oui, la bourrache aussi, petite bourrache. Voilà. Là ici, l'année dernière, il y avait un plant. Il y avait un petit plant, donc il s'est ressemé. Eh viens, viens Mickey. Non, on va pas dans les pommes de terre. Si, patates. Non, non, Mickey.
Non. Et si je dis le chat? Le chat? Et ben voilà, il court. Où ça? Là-bas, Mickey. Mickey, là-bas. Va pas dans les oignons, hein. Et viens, le chat. Regardez, hop, il devient fou. Fou. Fou, ce chien. Allez, aboie. Voilà. Et il fait pareil avec le facteur. Mickey. Ah, il a ses coins. Il a près du composteur là-bas, dans l'angle là-bas. Et à côté du récupérateur d'eau là-bas. Viens Mickey, le chat, là-bas. Regardez, hop. Et là, le chat. Il va aller près du récupérateur d'eau. Voilà. Ouais, parce que le chat, en fait, je pense que vous en foutez un petit peu, mais bon. Et ben, il va près de l'apprenti, bon, il fait son petit tour. Bon. En tout cas, il m'éloigne les souris. C'est ça le plus important. Bon, ben voilà. C'était une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles du potager. Mais non, il n'y a rien, le loup. Allez, on rentre. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis bah bon jardinage. Hein. Et à bientôt. Allez, salut. Ah oui, aussi, on était faire un petit tour à la déchetterie. Et voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré de la déchetterie. On était parti à la déchetterie pour voir pour des vitres, des anciennes fenêtres ou des portes. Pour faire des sortes de châssis pour les salades ou les légumes quoi. On n'en a pas trouvé, mais moi j'ai trouvé des poux en terre cuite. Voilà. Ça peut toujours servir. Hein. Voilà. Moi j'aime bien les poux en terre cuite. Je sais pas. C'est joli quand il y a des aromatiques dedans. Et puis c'est un peu de décoration. Voilà. Comme quoi. Faut récupérer hein. La récup. J'étais parti à déchetterie. Bon bah la personne les a laissés là par terre. En pensant que quelqu'un allait les récupérer, bah c'est fait. Voilà, donc lui il s'incruste dans ma serre. Viens Mickey. Eh bien. Donc voilà. La récupération. Allez, bonne soirée et à bientôt. Salut.